Alors la gamine contre une équipe de morts-vivants. Pourquoi je le stun? Ça l'oblige à switch. Comme ceci. Et à partir de là, en fait, enfin, c'est-à-dire que j'aurais entre guillemets perdu le tour 2, puisque j'aurais pas joué pendant le tour 2 et ici. Si j'avais pris non pas un switch, mais. Enfin non un stun mais un switch. Alors que là je peux tranquillement faire ce que je veux. Voilà. On baisse progressivement les barres de vie. Tyrael est beaucoup moins dangereux que Diablo. Vu la vitesse de Diablo. Et vu son faiblesse. Qui est ma foi assez dégueu. Il faut le dire. Ah bah ouais, d'accord. Non. J'ai peur qu'il me fasse un truc bien chiant. Genre une vague de lumière là. En plus avec un stun. J'ai bien fait de faire la tempête d'os. Et là, vous l'avez compris. C'est tout gagné. C'est tout facile. Et même on va s'assurer le coup. En l'assommant, puis en faisant la destruction de tombe. Comme ça, on la ridiculise. Et voilà. Bon, forcément, face à deux humanoïdes et une équipe mort-vivant, on gagne. Hein.